premier truc que j'ai vu. Hiro, ouais, ferme-la, s'il te plaît. Salut à tous, c'est Dragon. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode sur The Crew 2. Donc aujourd'hui, on va finir toutes les courses en drift. Je pense qu'avant de faire toutes les courses difficiles, je vais peut-être déjà essayer de faire toutes les courses qu'il y a à faire pour entraîner toutes les voitures. Enfin, tous les véhicules, j'aurais pu te dire. Et une fois que ça sera fait, je ferai le difficile à ce moment-là. Essaie de pas abîmer la voiture quand tu fais une course. Mais non. De toute façon, c'est la mienne, donc je sais ce que je veux. C'est toujours aussi mignon, mais bon. Et mince. C'était trop cool. Vers quoi, 15 000, c'est ça? Dis donc, t'as fait mieux que Tio. Ouais, enfin ça c'était un peu... C'est plutôt facile, hein, franchement. Voilà, si le boss fait juste que ça, c'est vrai qu'il doit pas être très très fort. En 30 secondes, oui, je sais, mais bon. Échec. C'est toujours mieux. À 10 secondes. Bon, de toute façon, je pense que ça peut pas être trop trop mal. Enfin, rien connu du tout, ça fait chiant, mais bon. On est pas mal, on est devant 13 500 de bulk. Il y a plein de petits followers. Échappement et moteur, ok. Si t'es pas sûr. Ouais. Ah, ça c'est le frein, ça. Ok, échappement, un de plus. En moteur aussi. Bon, on n'est pas non plus très... Sur la liste, c'est que t'es pas dans les 10 meilleurs pilotes du coin. Et si t'es pas dans le top 10, pour moi, t'es personne. Et si t'es personne, je te parle pas, parce que je parle à personne. D'ailleurs, là, j'arrête. Voilà, ça y est, je parle plus. Wow. Donc maintenant, on va aller dans les petites activités. En drift, alors juste pour voir 210, ouais, on est encore loin. Toi, je t'ai déjà fait. Ah non, donc c'est toi qu'il faut faire. Ok. Bon, ben on va y aller alors. Ok. Et je crois d'ailleurs qu'après, on aura fait toutes les courses de drift pour le moment. Le gang des 510 organisait des courses ici avant. Il y a même des potes à moi qui y participaient. Ils sont plus là, mais la course, si. Sans les voitures maquillées et les fausses plaques, bien sûr. Aujourd'hui, on applique des règles. Du coup, il y a beaucoup moins de risques. 510. Ah, il reparle de l'ancien jeu. Musée. Ça, c'est cool. Là, il n'y a plus que toi qui compte. Personne d'autre. Alors tu te les sors de la tête. Je connais déjà un peu le terrain, malgré que je suis un peu dans la nuit. Ce qui est un peu dommage, mais bon, en même temps, on peut pas toujours courir dans le jour. Ah si, elle avait fait une course ici, c'était pas Lidoïc à l'époque, c'était
Mince, comment il s'appelle déjà? Merde. Vas-y, ma bagnole, fais chier. Excusez-moi, j'ai un peu de mal à me concentrer, j'essaie de me rappeler là. Ah, mais non, mais comment ça se tourne ça? Ah, mettez au moins des pancartes, parce que là, c'est vrai que j'ai pas regardé la carte. Mais... c'était quand même été cool, quoi. C'était pas du raid, je crois que c'était du... un genre du cross ou quelque chose en tout là. C'était la seconde épreuve qu'on apprenait avec une GTR. Qui nous prêtait la personne pour faire la mission. Oh là là. Là c'est le terrain le plus chiant au monde. Bon, il reste 30 secondes, ça va. On va pas être trop mal. Objectif accompli, ça va. Attends, toi premier, c'est pas possible. Si, mec, c'est possible. Rien, c'est un photo. 29 minutes, ça va. Faut y faire 25, ça va, j'ai fait un peu mieux, mais bon. J'essaierai de faire mieux la prochaine fois. Un char arrière. On va les récupérer. Là, suspension et moteur. Donc je vais aller quand même vérifier des fois si si justement tous les toutes les courses ont été faites. Voilà, chercher le donc pour voir en drift, on est à 75 quand même. Il en reste quelques-unes, mais il faut que je les débloque avant. Encore à faire en drag d'ailleurs, j'aurais dû en faire une seule. D'accord. Donc là aussi, bon ben on va faire ça. Il faudra que je regarde à combien qu'on est really pour le niveau difficile pour le drag. Vu qu'il n'y a pas beaucoup de voitures, je pense qu'à mon avis il va être surtout assez élevé. Faut que je regarde. Ok, je te plante le décor. Las Vegas, Fremont Street et Drag Racing de nuit. Tu vas faire 3 tours et sans restriction. Et le plus beau, c'est que c'est du 100% légal. D'ailleurs, je vais peut-être même parier sur toi, histoire de te motiver un peu. Ouais. C'est parti. Alors ça, franchement, que le style, ils ont quand même fait fort. Concernant la Mustang. Changer la courroie de distribution de ton moteur. Et tu sais quoi? C'est pas un souci, vu que maintenant, on peut se permettre de remplacer les pièces abîmées plutôt que je m'amuse à les scotcher. Ouais, je vais faire mieux. C'est rien, je vais faire mieux, c'est juste que j'ai mal fait. Allez, on va faire mieux. C'est bon. Allez, un petit coup de nitro, mais c'est pas bon. Yes! Je pense qu'on devrait pouvoir améliorer tes performances en modifiant voilà, un peu ton moteur. Ça, c'est bon. C'est cool qu'on puisse se permettre ce genre de truc maintenant. Là, j'ai fait mieux.
et gagné. Ouais, j'ai fait pire que tout à l'heure. Bon, en tout cas, j'ai réussi. Et une course voilà. Légale pour la postérité, une. Mieux ça se passe, plus je peux en organiser. 2100. Et celle-ci s'est super bien passée. On est pas mal. On va aller chercher les petites pièces pour pouvoir modifier. Tu sais quoi? Il n'y a rien de mieux que de voir le résultat du temps qu'on a passé sur une caisse. Épater la galerie avec une peinture parfaite. Ouvrir le capot pour montrer ce que t'as construit à la main, pièce par pièce. Et après, le moment où tu prends le volant, où t'entends le moteur rugir et où t'y vas vraiment à fond. Ça, c'est une expérience de vie. Allez. La fierté, ça se mérite. On va la modifier. Donc 336, ça c'est bon. Toi t'es bon aussi. De nouveaux pneus, c'est parfait. C'est vrai que si en pièce, il n'y a pas forcément grand chose dessus, hein, pour le moment. C'est ta voiture et tes victoires qui parlent pour toi. Tu vois par exemple, ta voiture elle est bien, mais elle pourrait l'être 10 fois plus. Au lieu de rien faire sur ton canapé, tu pourrais la modifier, t'aurais vraiment quelque chose qui vaut le coup. Moi, quand je pilotais, j'avais mon style personnel. Tout en bleu et doré. Tu devrais trouver ton style, toi aussi. Ouais, on va s'y mettre. Donc, allez, on va chercher une nouvelle activité. Le drag, bien entendu, hein, tant qu'on y est, on peut finir. Donc, il faudra juste aussi voir changer de difficulté. 380. Ah, ça va, c'est plutôt assez près. Malgré qu'il va falloir sans doute refaire les courses assez régulièrement. Pour pouvoir justement avoir deux meilleures pièces. Parce que bon, c'est vrai qu'ils disent 380, ça va, c'est plutôt assez facile à atteindre. Parce qu'on est déjà à 337, donc il reste moins de 50. Le drag racing, ça a l'air facile. Mais ça demande une concentration et une technique énorme sur des intervalles de temps très courts. Alors t'as intérêt à avoir bien révisé, parce que sinon, on va s'ennuyer. Allez, c'est parti. J'ai que plein de pots d'échappement, j'en ai deux sur chaque côté et quatre à l'arrière. Ça c'est bon. Allez, 1, mets à se rater. 2. Allez. Monte. Yes. Cool, ça. Hey, j'ai pas fait un bon temps. Oh la vache. Bon bah alors faut que je fasse après. Un coup de nitro, c'est après la dernière vitesse que là tu mets un gros coup de nitro et tu fonces. J'ai eu aussi un mauvais passage, c'est pour ça. Run parfait. Mince. Allez, boost. Pareil, j'ai raté, faut que je repasse. Enfin, j'ai encore le troisième, mais bon. Oh si! Je sais pas, ils disent moins de 100, bon, ça va être bon. J'ai pas regardé exactement lequel que j'ai fait.
Eh ben, t'as réussi. C'était chaud, mais on va pas se plaindre. C'est une victoire. Ouais. Alors, ah, c'est sûr, hein, je sais pas non plus dire non. Comme j'ai quelques pièces supplémentaires, ça va m'aider aussi à aller mieux. Échappement, boîte à vitesse, ah, ça ira mieux au moteur. Si le street racing devient officiel. Voilà. Donc déjà une boîte à vitesse, ça me manque pas mal. Le moteur, c'est pareil, j'avais pas. Et l'échappement, c'est pareil. On est presque à 340. On est pas mal. On fait une croix sur tout ce que ça représente. Alors pas question. Moi, je suis prêt à participer à... Allez, on va essayer une autre activité. Donc on drague la dernière. Et tant que j'y suis, n'hésitez pas aussi à dire dans les commentaires aussi si vous voulez. Mais je veux pouvoir me lâcher partout en ville et pas qu'on vienne me gaver avec des règles de sécurité à la con. C'est pour les flippettes, ça. On a la rue dans le sang. Et s'il y a des fois où on doit verser notre sang, eh ben c'est comme ça. Non, comme je vous le disais à l'instant avant. C'est ça. 13 949. Ah ouais, je me suis fait quand même plumer quand même. Je crois que celui-là va être plus dur. À mon avis, il faudra que je la booste et... Parce que je pense qu'elle doit pas avoir cette puissance. Pas assez de patates, hein. Je crois que pour cela ça va être le plus dur. Ouais, ça va être dur pour celui-là. Réussi malheureusement, donc faudra que je rebooste la voiture. Donc dans le PAK je m'en occuperai de la rebooster un peu, faisant les autres courses un petit peu, ou dans le PAK le peu de temps qui reste. Alors je sais pas du tout de ce qu'il y a qui reste exactement. Il reste hypercar. Il y en a deux en hypercar. Bah, je ferai peut-être plutôt les hypercars la prochaine fois dans ces cas-là. Ouais, je vais peut-être plutôt finir la vidéo pour essayer de booster un peu... un peu celle-là pour voir. J'essaie de la booster un peu, la voiture. En faisant peut-être une ou deux courses pour au moins essayer de finir au moins les drags, ce serait bien. Qu'après je puisse faire les hypercars et les autres épreuves.
Donc je refais les... Allez, allez, ma petite Mustang. C'est parti. Ouais, j'ai l'impression qu'elle était un peu lente. Ok, ouais, donc j'ai réussi quand même. Donc dans le premier cas, c'est bon. Décidément, il n'y a pas forcément des bons trucs. Non. Alors, vraiment que je la modifie, hein, quelle voiture. Eh ben, t'as réussi. Ouais. C'était chaud, mais on va pas se plaindre. C'est une victoire, alors sois en fier. S'approche, hein, toujours. De l'argent, qui est pas mal. Les pneus et la boîte de vitesse. Ok. Donc, on est à 340. 341. Ouais. Je sais pas du tout ce que ça va donner. Donc de ce que je vais faire, moi, c'est plutôt essayer de refaire l'empirique à la course. Ça sera mieux pour voir. Oui, c'était toi. Pour essayer de voir si on peut pas essayer de descendre en dessous des 13 secondes, ça serait cool. J'ai bien dit ça serait, hein, mais bon, c'est pas forcément facile. À mon avis, il faudra sans doute que je la modifie encore avant de... Avant de pouvoir, comment dire, passer en dessous des 13 secondes. Allez. Arrêtez le 15 secondes, 600, ouais, ça c'est facile. Allez, allez. Secondes, non, on est loin.
voit un agent du score, ce qui est pas mal, franchement. Mais en dessous des 13 secondes, il faut attendre encore un peu. Là. Mon ami, il faut que j'entraîne encore un peu en Ça sera mieux. Allez. C'est vrai que le drift a été bien plus facile que ça. En même temps, le street, ça va. Vu qu'on commence avec celle-là et on a souvent affaire plutôt au terrain qu'au reste. Donc si on veut toujours réussir, il faut connaître bien la voiture et le terrain qu'on a utilisé pour pouvoir aller plus vite. Enfin, le drift, c'est pareil. Tu connais bien le parcours sur le bout des doigts, ça va tout seul. Mais là pour le drag c'est surtout la pleine puissance de la voiture et là c'est surtout les réglages qu'il faut faire. Mais là malheureusement eh ben t'as réussi, c'était chaud mais on va pas se plaindre, c'est une victoire, alors sois-en fier. On a de nouveaux pneus et de l'échappement. Bon ben je crois que je vais peut-être plutôt m'arrêter là pour cette vidéo. Donc si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à commenter et à partager la vidéo. Si vous avez des questions ou des suggestions à dire, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, bien entendu. Et moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.